Hello, ici Truffy et bienvenue pour Life After Earth Shipwrecked. Un nouveau jeu d'horreur indépendant, enfin nouveau, une nouvelle vidéo en tout cas, d'un jeu d'horreur indépendant et apparemment il est en plusieurs parties, donc plusieurs titres différents. Une petite introduction comme ça de dans le vif de la matière, les textures sont pas très belles, mais en tout cas, on est dans une belle pièce, des belles textures, et c'est tout ce qui compte, genre une tête. Oh! J'ai cru que c'était... on dirait un bruit de Minecraft, merde. Regarde, on dirait que je creuse un truc dans Minecraft. Yay! Bon, on va play. Play-do. Allô? Ouvrir la porte. Il a dit F1 contrôle. D'accord, le jeu a crash. Oh! D'accord, en fait c'était pas du tout la première... Oh! La lune... D'accord, en fait c'était juste un temps de chargement, j'ai cru que le jeu m'avait lâché. Les criquets. Oh! Le caillou là-bas il a l'air... Oh! Une quête! Trouver du fuel pour le bateau. Ça me perturbe beaucoup parce que j'ai l'impression de... d'être dans Minecraft quand je marche. C'est peut-être un joli Minecraft en fait. Je crois que c'était un gros tas de merde mais c'est... non, ça va. Sinon je peux prendre la barque et on se barre hein. Je sais pas, tu rames un petit peu et parce que cette île m'a pas l'air sympa, il y a des criquets partout. Il y a des gros cailloux là-bas qui font genre ah, je tombe. Alors, en tout cas, il faut que je... Oh, je peux courir. Waouh, l'effet de course est pas mal. Allô? Ah ouais. J'ai entendu un serpent. Non, c'est un criquet, je crois. Dis-moi où est l'herbe. Trumpy, tout droit. Ouais. Les trucs qui bougent. Non, c'est les feuilles, je crois. Et t'as vu, il y a peut-être même de la plateforme à faire. Et... Oh, je peux sauter! Il m'a fait peur à crier. J'ai de la vie, je peux sauter, c'est de la plateforme. Waouh! Mais c'est trop cool! It's amazing! Bon, ok, là, il a pas sauté en courant, mais... Allez, toujours plus haut! Je suis sur caillou, je te domine, caillou. Oui! Monte-moi dessus! C'est là que je peux faire le roi lion. Ah! Hey! Ça ressemble pas à un caillou, ça? Ça ressemble à une stèle étrange. Qu'est-ce que veut dire que ceci? Ouais! Oh! Ok. Je suis une petite tapette, je me suis foulé la cheville. Regarde, on dirait une stèle, un cas. Oh. Bon, peut-être qu'il faudrait que je trouve un endroit, non? Genre une... Ouh, il me fait peur quand il saute. Regardez, il y a un château. Un castel. Un bueno château. Attends, il y a quoi d'autre comme contrôle que je sois prêt à toute éventualité? Recharger? Mmh. Ok, il y a des armes. Physique objects, hunter bullet, oh god. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ok, quelque chose me dit que je dois aller par là. Suis la route. Suis la route. C'est Dora qui me l'a appris. Oh, y a même une cascade. En tout cas, le niveau est beau. Et ma vie remontée. Ouais. Ma cheville foulée s'est réparée. Oh, god. Il y a des instants où ça bug le jeu, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi. Juste une cabane pourrie. Y a pas de fuel par ici des fois, non? Oh, 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 du sang. Oh. What the fuck? Ok. Qui a... C'est pas gentil de... C'est pas un très bon accueil tout ça. Je peux ramasser le crâne. Os. Os, 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 os. Ok, il a l'air d'être nommé. Donc c'est pas mal. Qui a... Pourquoi jouer là-haut? Je te dis, c'est Minecraft qui fait peur. Bienvenue dans un noom. Ah! Oh, oh, what? Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu sors, toi? Pourquoi tu vis ici? Qu'est-ce que t'es? Monte plus haut, s'il te plaît! Oh god, il est pas content! Prends ça! Prends ces trucs-là! Prends tout! God! Oh, il est reparti, ok. Il est sorti du mur, mais c'est quoi ces monstres qui sortent du mur à chaque fois? On est d'accord que ça a aucun sens. C'est un descendant de Slender ou quoi? Il est encore là? Je le vois pas dans les trous. En tout cas, il aime découper des gens. Mmh. Il a une passion pour la bolognaise. Et le faux sang. Ok, et je suis venu ici pour rien prendre, on est d'accord? C'est pas mal. On est d'accord que j'avais aucune idée de ce que c'était cette merde, hein. Je vais emprunter plutôt ce chemin par là qui a l'air beaucoup plus cool. Je sais pas, qui semblait un cochon avec un crochet ou un prêtre vicieux. Un pédoprêtre. Oh god, j'ai peur d'entrer dans vos maisons à la con, moi, maintenant, vous savez. Il y a un pyjama qui est suspendu. Qui a suspendu mon pyjama? J'entends marcher.
C'est le pyjama le plus menaçant que j'ai jamais vu en tout cas. Ok, bon, moi je rentre ici, ça sert à rien. Il y a les crochets bouchés. Wow! Je me tape des petits sprints assez sympathiques, des accélérations. J'espère qu'ils apparaissent. Arrête de grincer la maison! Arrête! On grince pas tout seul. Je me méfie parce qu'ils ont l'air d'apparaître comme ça, comme des petits catins. Ah, caillou, sauve-moi. Si seulement je pouvais serrer un objet très fort avec moi. Oh, regarde. Allô? Allô? Pourquoi la porte était entrouverte? Ah, oh, je peux juste. D'accord. Mais je te dis, c'est Minecraft, on dirait. Allez, ferme la porte. Oh. Oh. Hello. Donne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, prends-le. Je veux juste que tu prennes l'objet. Oh. Wow. Ça peut faire des effets sonores de fou, ça, regardeur. Et soudain, Patrick se souvint qu'il avait oublié d'éteindre le gaz. Ah, merde! Et soudain, Patrick se souvint qu'il ne savait pas comment ramasser un fusil à pompe. Non! Oh, God, le bruit me fait peur. J'ai un gros ping-pong, alors là, vous pouvez venir comme vous voulez, bande de petites catins. Ça, par exemple, si je tire dessus, je pense que je meurs très vite. Donc, on va peut-être éviter. Ok, bon, je me balade avec mon petit fusil, au calme. Chasse et découverte. Nature et pêche. Bienvenue avec Chasseur Truffe. Ah! Oh! 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 Qu'est-ce que tu dis de ça, bitch? Il a explosé! Feu d'artifice de gros porc! Regarde, qui c'est le jambon maintenant? Allez! Keep rolling, 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 rolling. Alors là, je lui ai refait sa fête. Il a popé comme ça. Il a Mary Poppins. C'est bien ce que je disais. Ils apparaissent comme des fous. Genre, coucou, tu veux voir mon culte? Et moi, je dis non. Je m'appelle pas Charles Manson, je m'appelle Patrick. J'allais commencer à faire une émission genre, et vous pouvez observer le Truffy dans son élément naturel avec son fusil à pompe. Il joue à Overwatch et se déclare pro player, mais n'est pas capable de tuer un cultiste qui arrive derrière lui pour l'enculter avec un fusil à pompe. Il lui a fallu 3 balles. Mais il a quand même bien explosé, donc j'ai envie de dire c'est un succès, non? Succès, ma gueule. En tout cas, c'est assez open world, t'as vu? Je suis pas allé, je fais de l'escalade et tout, Patrick! Patrick, t'es un fou! Regarde ça, Patrick! Il va dans le monde et tout. Patrick voyage. Peut-être. En fait, il me faut du fuel. Peut-être que je me concentre sur cet objectif de merde pour repartir. Surtout que j'ai plus que 4 balles, donc ça c'est sympa. Et que j'ai beaucoup de vie, donc ça. Oh merde! Un village carrément. Ah. Pourquoi le village est aussi loin? Ah. Hormis que ils apparaissent un peu de façon bizarre, les monstres. J'ai envie de te dire que l'ambiance est plutôt sympa. Regarde ça donne envie, non? Allez Patrick, on y va, toi et moi. Et ton fusil, ton gros fusil. Ah, tabernacle! J'étais coincé avec mon bateau, et d'un coup, je suis devenu le fantôme. Je ne comprends pas. Tabernacle. Pourquoi les bruits sonores s'intensifient autant? Calmez-vous, bruit sonore, damn it. On va baisser un tout petit peu le son. Voilà. C'est pas mal, là. Encore un tout petit peu? Ouais. Ok les enfants, alors, il y a du fuel par ici, je sens le gaz, ok? Mais on va se calmer tout de suite et on va être très gentil avec moi parce que pas Patrick, il arrive dans les maisons, il est sympa. Il a juste un gros putain de fusil à pompe si vous le faites chier, donc attention au petit cul. Ah, les amateurs des communistes. Ah, tabernacle. Ok, je connais pas d'insultant qui... Ah! Okay. Ah! Patrick a eu un petit problème de vocalise. Il a perdu toutes ses balles. En fait, c'était juste un fantôme. Un sleep now dying. Un sleep qui meurt maintenant. Waouh. Ouais, on va éviter de nous mettre des Mylène Farmer, enfin des Britney Spears qui hurlent comme ça d'un coup. Ce serait pas mal parce que ça, c'est plus acier. Et voilà. J'ai pas beaucoup de caleçons propres en ce moment. Donc, ce serait bien d'en garder un petit peu. Et voilà. Alors merci jeu de me rendre, de mettre bien en confiance pour rentrer, parce que j'ai plus qu'une balle là en plus. Je suis. Je veux dire, je rencontre un ennemi là, il faut que je cours. Hein, on est d'accord.
Mais bon. Est-ce que je peux monter là? Non, ok. Je suis un peu handicapé, excusez-le. Par contre, je peux faire du parcours peut-être et tout. Ouais, t'inquiète. Ah, ça donne envie d'y entrer dans ce bâtiment, c'est bien, bien cordial. Allez, cours. Est-ce que ça se pète, ça, tu crois? C'est bizarre, j'ai envie de tout casser, enfin tout tester, mais avec le peu de balles que j'ai. Ah, cette ville a l'air vraiment... Oh, je peux aller là-dedans? Non, merci, ça va aller. Je crois que c'était un passage secret et tout, mais... Non, ah, mais il y a peut-être du fuel ici, remarque. Je veux dire, c'est un garage et tout, non? Peut-être la voiture, sinon? Peut-être il reste peut-être du fuel là-dedans. Oh, je peux viser un peu plus précisément, genre play, genre sniper et tout. Alors, on va se calmer sur les effets sonores. Oh non, non. Ah, oh, oh, esquive, esquive. Qu'est-ce que t'as au ventre, mec? Oh, oh, j'ai que 5 de vie, c'est pour ça que ça va pas bien. Bullet time, bullet time. D'accord, j'ai pas réussi mon bullet time. Il n'y a plus de fusil à pompe. Quelle est cette sorcellerie? Oh non. Oh non. Me dites pas que c'est un truc aléatoire. Oh non. Oh que non. Dis de la non. Ah mais génial quoi. Suffit que voilà, je rencontre l'homme qui a la appendicite qui a mal tourné là. Avec son bide à l'air et... Je sais pas c'est quoi, c'est un gothique encore. Il vénère Satan et du coup il est pas content parce que je m'appelle Patrick. Oh god, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une belle statue ça? Ils ont des belles... Oh god, un feu de paysan. Oh des païens, j'adore. J'espère que les cultistes ne font pas un barbecue dans le coin, s'il vous plaît. Et c'est grand cette merde! Ok. On va se chauffer les miches près du feu, c'est toujours plus rassurant. Hein. Oh regardez, il y a même un étang et c'est beau hein, dit. On dirait presque un niveau genre The Witcher et tout. T'as vu comme c'est classe? Il y a les étangs, il y a les petites fontaines, les petits endroits inutiles comme ça. Où t'y vas, mais tu te dis que tu devrais pas y aller. Surtout que t'as pas d'armes et qu'il y a d'autres maisons. Et le pire, c'est que l'autre connard, il apparaît genre en mode aléatoire, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas mal. Hein? Oh, ça, c'est un gros caillou. Ah, sur le level design, il y a des efforts. Ça sert même à rien que je regarde en fait comme ça, genre où est-il? Parce qu'il apparaît d'un coup, genre hey! Oh! Tu veux voir ma bite? Oh! Je veux prendre ça, mais il n'y a aucune touche qui fonctionne pour prendre cette merde! Un jour. Oh! D'accord. C'est Pourquoi je suis en ralenti stop motion? Ok, oui! C'est pour. Genre, j'ai peur, je suis genre. Non, j'arrive pour te péter la gueule ou une chaise. C'est pour ça que j'étais au ralenti tout à l'heure comme un connard. Hein? On peut aller à la plage, tu crois? Est-ce que c'est l'huile, ça? Ça m'a l'air d'être... Oh! Jesse ba... Oh, tonneau! En fait, j'allais l'appeler Barry Barrel, mais c'est en anglais, Barrel. Donc, je vais dire plutôt... Tony Tonneau. Tony Tonneau, dans son berceau, roulait déjà comme un blaireau. Et il était gros comme une crosse. J'ai cru voir quelque chose. Oh, ouais, Tony, reviens! Tony! Jamais vous ne m'aurez! Tony Truant! Jamais! Trop vite, tu ne m'attraperas vivant! Ne fais pas ça, Tony Truant, je t'en supplie! Ne te jette pas de la face! Ah, oh non! Ma vie est finie! Non, je rejoins Pablo Escobar! Allez vous faire fou! Bye bye, Tony. Il y a de la brume ici. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est lâché. Trop de flageolets dans le coin. En tout cas, ouais, l'île est plutôt grande et ça, c'est cool. Ça c'est cool, et quand je saute, je me fais peur à chaque fois, donc j'ai un petit battement de cœur qui fait genre... J'avais oublié ma virilité. Holy ho, oh god, c'est... Ça m'a tout l'air d'être l'endroit où je suis mort, lamentablement, et où j'ai pas de shotgun. Ah, laissez-moi passer. Non, ok. Je prends ça pour une... Oh, j'ai peur, à chaque fois il y a les reflets et tout. En fait, ce jeu est anxiogène, il est pas genre... Oh, bonjour. Il est pas genre... Ah, 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 et oh, il court en plus! Ah, dommage, hein, cultiste, avec ton appendice. Dommage que tu saches pas comment faire pour s'accroupir. C'est un truc que t'as pas appris, ça, hein? Hein? T'as pas appris comment s'accroupir, hein? Ça, tu sais jogger, ça, tu sais courir façon Usain Bolt. Hein. Il veut mon cul, là, il veut mon cul, sérieusement. Mais s'accroupir, non, ça marche pas. Et après, on disparaît comme ça parce qu'on est une petite pute. Une petite pute. Gay. Alors, j'ai découvert la faiblesse des cultistes. Ils savent pas entrer dans les portes de garage. Ou ne savent pas s'accroupir. Eh, il y a une grande maison là-haut, non?
Maison sur la colline, je crois. Je crois que c'est là qu'il y a du fioul. Je devrais vraiment pas venir ici, je pense, parce que j'ai pas de fusil à pompe et ils ont l'air de bien kiffer le petit endroit là. Je sais toujours pas ouvrir les portes. Donc je peux me foutre de la gueule des cultistes qui savent pas s'accroupir, mais je suis trop con pour ouvrir une porte. C'est quoi? Je vais aller dans la colline, moi. Un fou. Je t'avoue que j'ai pas trop envie, après la Britney Spears de tout à l'heure, là, la Lindsay Lohan enragée. Je suis pas trop chaud pour tourner dans des maisons, en fait. C'est une ville bien glauque, hein. Il y a des cailloux magiques et tout, des cailloux Copperfield. Waouh, je rentre dans cailloux. Oui! Entre moi! Ça, c'est du caillou magique. Oh, il y a même une piscine et tout. Waouh! Ça, c'est de la ville de compète, hein. Je sais pas comment ça s'appelle par ici, mais... Oh, putain, la cabane. Dis-moi qu'il y a quelque chose... Non, il y a rien dans la cabane. Damn it. Je m'attendais à une petite arme, c'est un truc sympa. Mais que dalle pour moi. Oh, God! Oh, God, non! J'ai un nombril et t'en as pas. Je sais que t'es... Tu sais que t'es pas content, mec. Vite! Au refuge des hommes qui ne savent pas s'accroupir! Plus vite, s'il te plaît. Plus vite encore. Ah, ok. Plus vite encore. Parce qu'il court, l'autre, hein. Lol. Ah! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, je suis coincé. Rien à foutre. Tant que j'ai ma cachette secrète, ils ne pourront rien contre moi, ces cultistes. Ah! Ah, il y a des portes ouvertes. Pourquoi je sens qu'à chaque fois que je vais rentrer dans... Elle était bien, mon fusil à pompe, hein, il était bien. Pourquoi je peux pas le ravoir? Sérieusement, les gens, pourquoi? Je promets que la prochaine fois, je ferai plus attention quand je tire. Ok? Pas comme dans Silent Hill. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans les maisons parce que... Entre les jumpscares, genre... ok, y a personne. Oh, ok, pouette, pouette. Tu peux... Oh! Un sein magique. J'ai zoomé dans son sein. J'aime bien quand il y a des trucs comme ça qui commencent à apparaître, genre, oh oui. Oui. Ça donne envie de rester, hein. Merci pour l'accueil, madame. Oh oui. Ne pleurez pas, madame, j'ai un gros fusil. Comment? Faut que j'aille en haut, tu crois? N'oublie pas le slow motion. N'oublie pas le slow motion, Patrick. Oh, dans les toilettes. Oh! J'aime bien ce que vous avez fait avec le sol. C'est pas mal, la moquette. Ok, on va y aller en mode slow motion. Oh god, encore cette... Lindsay Lohan, ok. Ok, j'arrive, Britney Spears, j'arrive. Oh god! God! Ne cours pas comme ça! Pour la... Oh god, c'est quoi cette petite fille? Est-ce que je dois... Non, je te tire pas dessus. Ok. C'est foutu, jumpscare. Bon, il est pas mal fait, mais pour être plus travaillé sur les jumpscares, je crois. Et puis honnêtement, je trouve que tu le mets là. Ok, le monstre qui te poursuit déjà, il fait pas peur, c'est juste un. Bah quand il court, il est un peu chaud quand même avec son bide à l'air. Hein. Mais je trouve que tu pourrais limite, tu sais, les faire genre comme des apparitions fantômes, mais genre même sans screamer, tu vois, parce que ça ferait flipper de voir un truc comme ça, tu sais, qui te regarde et tout. Tu fais genre oh god. Là c'est juste bon. La première fois ça m'a bien eu. Je suis d'accord. J'ai fait ma truffiote. Hein? Une fois n'est pas coutume. J'arrive, Patrick arrive. Ok. Ah. Oh! C'est hanté. Waouh. Allô? Je dois répondre. Ici Patrick? Ok, tout le monde s'en fout. Je peux avoir la casquette, elle est... Oh! Eh hey, bonjour. C'est qui ce gros sac? Ah, il avait bien mangé. Il était là. J'ai déjà mangé. Oh non, encore une apparition fantôme. Allez, vas-y, surprends-moi. Non? Pas de surprise? Oh, joli. Ah, je t'aime pas, toi. Tu sais que je t'aime pas. Ah, non! C'est un mur, ça! On va se calmer. Je m'appelle Patrick. Mais en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver du fuel à un moment. Pour finir le jeu. Oh! God! Ok. Je sais pas, il courait bien lui. J'aimais bien sa démarche. Là, ils ont des démarches assez sympathiques dans cette. Dans ce building. On voit qu'ils ont tout mis dans les jumpscares là. C'est genre, ils ont mis le paquet, hein. Effet sonore et tout. Ok. Moi, je te suis, j'ai pas peur, m'en fous. Ok, sauf qu'il n'y a plus rien. Ok. Toi, c'est pareil, il y a un truc comme ça, c'est fait pour être un build-up. Ça, c'est la meilleure salle de bain que j'ai jamais vue. Ok. Appelez Valérie D'Amido, elle va se tailler les veines dedans, je pense. Si ça l'idée à quelque chose, genre, il est là dans un coin en train de te regarder, ok. Mais là, à part le bruit d'un ventilateur démoniaque, ou un aspirateur démoniaque, on ne sait plus au final. Hein. Oh, ici, il y a du fuel, pas vrai?
Ça sent le fuel par ici, ouais. Regarde, ça sent l'usine à fuel ici, ouais. Je le sens. Oh god, arrêtez de me balancer aussi des trucs comme ça, merde. Mec, je sais pas ce qu'ils... C'est quoi leur plan, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Tiens, on va lui balancer des têtes sur la tête. Des têtes sur la tête, ouais, pas mal. Je sais pas pourquoi elle me fait rire cette image. Oh, manly man. Cette moustache, cette carrure. Da, da. Est-ce que je peux avoir du fuel? Du truffuel, s'il vous plaît. J'avais du fuel. C'est ça du fuel, est-ce que... Fuel? Ou pas fuel? Pourtant, ça ressemblait à un truc de fuel, je veux dire. C'est genre full fuel, là. C'est full fuel. Full fuel. Ah, ça, c'est du fuel. Full fuel. Non, pas full fuel. Moi, j'y vais tout. Wata! Commando. Dans les hautes herbes. Comme Call of Duty. Mais en plus, comme c'est aléatoire, je me demande est-ce que je vais devoir aller partout, tu sais, genre, à chercher comme un demeuré des trucs qui n'existent pas. Ok, visiblement, j'ai un talent particulier pour ne pas réussir à passer certaines barrières. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir du fuel dans cette putain de ville? Non. Oh, un poster de David Copperfield, je sais pas qui c'est. Ça a l'air d'être un maître nageur de... Ah, ah, d'accord, lui, il m'attaque. Ah bah, écoute, il avait combien de tétons? J'aurais dû l'observer un peu mieux. Alors, une fois, un coup, tu vois, c'est genre... Il t'attaque pas, les apparitions. Et un autre coup, c'est genre... Ah, tiens, je me balade comme ça, avec mes tétons à l'air, et je vais te taper. Ok, bah, écoute. Ouais, je suis gay. On est d'accord pour dire que là, je suis à bout. J'ai à peu près tout fait, et... Je trouve toujours que dalle. Mon fioul-fioul. Mon full-fioul. Hein, je peux me mettre où je pense. Autant péter dans un bocal, je pense que ça ira un petit peu plus vite. Eh, je peux peut-être monter là-dessus, tu crois? Tu crois? Oh oui, je pense. Je fais des petits bonds et tout. Genre, waouh, ma tour de garde. Oh, god. Dommage. Du coup, bah, ce que je fais, ça sert... Ah, mais il y a un bâtiment ici. Ouais. Et un gros caillou là-bas. Ouais. J'arrive. T'inquiète. Dans ce bâtiment. Qui fait peur. Parce qu'il est éloigné et tout. Ah! Ah, oh, mais lui, non, il fait juste... Ah, oh, nam 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 nam. Arrêtez de faire des jumpscares comme ça. Arrêtez. En plus, quoi, c'était un savant fou, lui. Ah, quoi? Ah! Non, mais il y a des zombies maintenant! Vraiment! Hey, je dois m'attendre à quoi? Des zombies? C'est des zombies, c'est pas des zombies. Des apparitions ou pas des apparitions? Moi, j'ai pas beaucoup de balles, les gars. Hein. Faut arrêter de faire les cons un petit peu. Hein? Je crois que c'est munitions illimitées, c'est la fête du slip, non? Non, monsieur. Non, monsieur, moi je galère comme un puceau. Ça, c'est la vérité. Tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais monter sur mon caillou. Je monte là. Je fais de la plateforme, moi, mec. Garde ça, garde ça. Là, je suis bloqué. Voilà. J'ai l'air con. Oh, god damn it, Patrick. Si seulement tu pouvais t'accrocher. Non, mais on peut plus être tranquille sur le bord de mer. Écoute, vas-y, envole-toi. Imagine, si ça se passe, j'ai envie de faire caca, je fais comment, hein? On peut plus poser sa pêche tranquille, sans se faire agresser par un cultiste. J'ai pas encore été voir la cascade, regarde comme c'est beau, waouh. Ça c'est beau, ouh. C'est joli ça, un petit endroit à pêche. Non, pas ce genre de pêche, trop fidèle. Je voulais dire pêcher, genre tu fais de la vraie pêche et tout. Mais après, je veux bien, c'est beau, mais si j'ai pas d'objectif, là je suis juste en train de courir, attendre les jumpscares et essayer de trouver du fioul-fioul. Donc ça va vite me gaver. C'est qu'il faut pomper là pour avoir du fioul, hein? Qui il faut pomper? Pomper. Ah, j'ai compris, vous voulez pas de moi ici, je me barre dans ma barque. Ah, j'ai pu... Ah, je me barre dans ma barque. C'est quoi, je vais dans l'eau même. J'en ai marre de vous. Laisse-moi aller dans l'eau. Ah, je sais nager. Tu sais nager, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, c'est ridicule de courir sous l'eau. T'es pas une sirène, mec. Il s'est noyé, je crois, ok. Bah, tu peux pas baiser Patrick. Ok, moi je retourne au camping, hein, écoute. Ça commence à bien foutre. Je suis pas bienvenu ici, de toute évidence, donc voilà, très fidèle. Le fuel, bah il peut aller se faire voir mon bateau, de toute façon, regardez, il est tout pourri, de baie du cul. Et voilà, je vais un peu muscler mes bras, hein. Patrick, il rentre en slip avec sa barque, et voilà. Ciao! Voilà, très fidèle, je sais que c'était pas énorme, missime, mais voilà, y avait des choses pas mal, hein. C'était bien de se faire agresser par des mecs avec le bit à l'air. Le bit à l'air, le bid, bit. Ouais. Heureusement, je sais pas ce que j'aurais préféré, la bite à l'air ou le bid à l'air.
Parce que là, c'était littéralement envoyé de l'intérieur. J'ai jamais été aussi... On peut dire que j'ai jamais vu un homme aussi ouvert, hein. Oui, très ouvert. Après, je sais pas si ça va me faire adhérer à leur culte de m'agresser comme ça à chaque coin de rue. Je peux même pas aller poser ma pêche dans un buisson, mais ça, c'est une autre histoire. J'irai la poser en mer, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en favori et à partager la vidéo avec votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore, devenez un très fidèle. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu d'horreur indépendant. On monte le niveau là, on monte le niveau d'un cran, on se dit un petit peu plus peur, et là on va faire un peu plus peur. Le prochain il va, Chris Carter garanti, t'inquiète. Biou!